C'est le bienvenu. On vous précise aussi que la soirée est rediffusée sur Facebook, sur la page Agora 2019. Alors bonsoir aussi, bonsoir à tous. Nous voudrons tout de même quelques explications quant aux variations du montant de la cagnotte contre notre gré, évidemment. Notre action, elle ne plaît pas. Elle ne plaît pas à nos dirigeants. Le peuple s'organise, discute, échange et évolue sans eux. Donc inutile de vous dire que nous dérangeons, non pas cette fois par notre présence dans la rue, mais par notre bienveillance et notre volonté de construire. Nous tenons à remercier du fond du cœur un homme formidable et exceptionnel qui se reconnaîtra et qui travaille aux élites, sans qui nous ne serions pas là. Nous tenons donc à le remercier vraiment très fort. Nous faisons appel aussi à votre tolérance parce que nous sommes, comme vous, des gilets jaunes, des citoyens en colère, mécontents du système dans lequel nous vivons, mais nous sommes de simples citoyens. Nous avons eu 10 jours pour organiser cette soirée. Nous n'avons rien de professionnel, mais nous ferons de notre mieux pour qu'on passe une belle soirée. Et donc, face aux répressions, à la violence, nous on répond par l'organisation, les échanges, le débat. Donc ce gouvernement, finalement, leur est pour seul mérite, c'est de nous réunir, nous qui ne nous sommes pas parlé depuis bien longtemps. Alors, donc, effectivement, nous allons, à l'occasion de cette agora, essayer de vous donner également la parole dans le public grâce à 3 modérateurs qui vont s'occuper chacun d'une rangée de personnes. Ce ne sera pas évident, mais on va essayer. Inutile de préciser qu'il vous faudra rester dans le contexte et aller le plus court possible, aller à l'essentiel. Rappelons également que les interventions sélectionnées seront directement tirées au sort, de façon à rester neutre le plus possible. Comprendre l'ampleur de cette tâche et son caractère inédit est primordial afin d'éviter les débordements et bien sûr les frustrations. Donc, désolé par avance à tous ceux qui auront des choses à dire qui ne pourront pas forcément les dire à ce moment-là. Et dans ce cas-là, on vous invitera de toute façon à envoyer et vos questions et vos réflexions sur la boîte mail giletjaunetoulon@gmail.com. Elle est communiquée, on vous la recommuniquera, ne vous inquiétez pas. Donc vraiment, désolé par avance, vous ne pourrez pas tous parler. On va faire au max. Donc, on vous a laissé la lecture, mais pas de panique, hein, on parle bien du terrain. Comme vous avez vu, donc, vous avez une première colonne, donc vous trouverez les articles de la Constitution. La deuxième, les propositions faites par M. Chouard. Et donc la troisième, c'est celle-ci, vous pouvez noter vos idées à vous. Nous allons donc, dans un premier temps, accueillir Étienne Chouard. Donc Étienne Chouard, je t'en prie, tu peux passer tout au bout de la scène et monter. Étienne Chouard, professeur dans l'enseignement technique et RBTS, et surtout connu depuis 2005 pour son côté citoyen militant pour une démocratie réelle. Il sera nous parler d'une de nos premières revendications, et ce à juste titre, s'il s'agit du RIC, du RIC, référendum d'initiative citoyenne, et surtout en tant que matériel. Retrouver notre souveraineté reste sa priorité et nous le remercions chaleureusement d'être venu ce soir.
Bon, je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais commencer par le décor dans lequel se passe la révolte des Gilets jaunes. Comme tous les humains du monde, nous sommes dans une prison politique. Les Français, comme les autres humains sur Terre, sont enfermés dans un texte dont ils ignorent tout et qui prévoit leur impuissance politique. Ce texte s'appelle une constitution, mais en fait c'est un fake, c'est une fausse, c'est une anti-constitution. Une vraie constitution devrait normalement être écrite par les représentés et pas par les représentants. Elle devrait être écrite par les gens simples, ceux qui ne veulent pas le pouvoir, mais qui ont besoin que soient institués des pouvoirs et qu'ils soient en même temps protégés contre les abus de ces pouvoirs. Ce que font les Gilets jaunes en sortant de chez eux, en affrontant le froid, la pluie, même la nuit, c'est qu'ils refont société sur des lieux publics et ils arrivent avec une double détermination. D'abord, ils veulent pas entendre parler de représentants. Trahis depuis des décennies, ils ne veulent plus entendre parler de politique, disent-ils. Et en fait, ce qu'ils font est très politique. Ce qu'ils refusent, c'est les politiciens, c'est-à-dire c'est les professionnels de la politique. Mais c'est très bon pour commencer un processus constituant, d'être méfiant. Et c'est ça que je trouve le premier trait exemplaire des Gilets jaunes, exemplaire en ceci que nous devrions tous le faire. Ce que font les Gilets jaunes, toute la société devrait le faire et toute la Terre. C'est pas propre aux Français. Ils sortent de chez eux, ils refont société et avant de désigner des représentants, ils réfléchissent aux règles de la représentation. Et c'est une des choses que je voudrais vous proposer de faire ce soir. Ce sera en deuxième partie. On réfléchira, si vous voulez bien, si ça vous intéresse, au mandat. Au mandat que nous devons donner à ceux qui devront nous représenter, la façon dont on va les désigner, la façon dont on va les contrôler, la façon dont on va les révoquer. Quel mandat on va leur donner? Est-ce que sur ce rond-point, nous avons besoin que deux ou trois personnes nous représentent? Il faut que ce ne soit pas toujours les mêmes, il faut que ça tourne. Donc il nous faut une procédure qui soit à la fois simple et fiable, qui permette que ce ne soit pas toujours les mêmes qui nous représentent. Et quand les Gilets jaunes réfléchissent à ça sur leur rond-point, ça devrait, il me semble, nous donner des idées à tous par rapport à nos élus. Parce que ce que font les Gilets jaunes sur leur rond-point en se demandant « Mais qu'est-ce que vont faire nos délégués ? Est-ce qu'ils vont tout décider à notre place ?» Et quand ils vont revenir, on n'aura qu'à suivre les décisions qu'ils ont prises. Ou bien est-ce qu'ils vont préparer les décisions et nous les ramener sur le rond-point, et puis sur le rond-point, on va les voter. Ce n'est pas du tout les mêmes représentants, c'est les représentants qui décident tout à la place des autres, comme nos élus aujourd'hui. Ou bien des représentants qui préparent les lois et qui ensuite les font voter. C'est très différent. Et ce choix-là, quel est le mandat que nous donnons à nos représentants? C'est pas aux représentants de l'écrire, c'est pas aux représentants de faire ce choix. C'est à nous. C'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation. C'est aux citoyens d'être constituants, d'écrire les règles de la représentation. C'est-à-dire comment vont être écrites les lois, par qui, comment et sous quel contrôle citoyen permanent. Il y a un deuxième trait caractéristique essentiel des Gilets jaunes, c'est d'être unitaire. Ça, c'est absolument décisif. Le mouvement sera fort, il sera même invincible s'il arrive à rester unitaire. Et il disparaîtra s'il n'arrive pas à conserver ce caractère essentiel. Unitaire comment? Eh bien, les Gilets jaunes savent bien que des gens de gauche, de droite, des syndiqués, pas des syndiqués, syndiqués dans un syndicat ou dans un autre,
Ils savent bien que c'est par les directions de ces partis, différents partis ou syndicats, qu'ils ont été jusqu'ici trahis. Et pour éviter que ça cesse, ils demandent à chacun d'entre eux de ne pas, pas montrer leur drapeau. Pour éviter que ça se reproduise, plutôt, ils demandent de ne pas montrer leur drapeau. Donc ils savent bien qu'il y a des gens de gauche, de droite, du centre, ou de rien du tout, mais ils ne veulent pas le voir. Et ça, ça permet de réfléchir au bien commun, ensemble, sans être découpé en morceaux. Aujourd'hui, je ne pense pas que... Enfin, c'est pas forcément volontaire, mais le fait est que les partis nous jettent les uns contre les autres, nous empêchent de fraterniser. En fait, les partis sont comme des armées qui servent à gagner une élection. S'il n'y avait pas d'élection, il n'y aurait pas de parti. Avant qu'il y ait des élections, il n'y avait pas de parti. C'est pour gagner les élections que les partis naissent par nécessité, puisque ce sont des élections de candidats qu'on peut aider. Et donc les partis servent à se regrouper pour aider. Donc la logique partisane, qui est une logique militaire, conduit chacun des militants d'un parti à considérer les militants des autres partis comme des ennemis. Ce qui est une folie. Ce qui est la négation de la politique, en fait. Nous devrions, il me semble, pour bien servir le bien commun, nous devrions être capables de discuter, non pas parti par parti, mais loi par loi, projet par projet, sujet par sujet, et on s'apercevrait que les gens qui sont dans différents partis et qui se détestent parce qu'ils sont dans différents partis, qui considèrent les autres comme des ennemis, sur la retraite, ils seraient d'accord. Sur n'importe quel autre sujet législatif, ils seraient d'accord. C'est simplement pour l'instant, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ne sont pas dans le même parti. Ce à quoi s'apprête à surmonter les gilets jaunes, c'est cette immense difficulté de la zizanie partisane. Ce qui va probablement se passer, c'est que des militants de partis, probablement bien intentionnés, mais venant avec, en portant avec eux de la zizanie, vont venir aider les gilets jaunes, les partis de gauche, les partis de droite, les partis de ceci, les partis de cela. Et une fois qu'ils seront dans le groupe, ils vont dire « mais lui, là, c'est un ennemi », reproduisant leur logique partisane et essayant, peut-être sans s'en rendre compte, hein, c'est pas forcément méchant, mais c'est clivant. Et si c'est clivant, c'est affaiblissant. Ce que j'ai vu, moi, pour l'instant, alors je sais bien qu'il y a déjà des ronds-points qui sont en train de se couper en deux. Et j'en ai vu qui se coupaient et qui se rabibochaient, c'est-à-dire qui comprennent que c'est terrible de se couper en morceaux, qu'il faut absolument qu'on arrive à résister à ça, qui se remettent à se reparler parce que c'est uni qu'on va gagner, sinon on va perdre, une fois de plus. Je reviens à mon histoire de constitution. Les peuples du monde protestent toujours sur des sujets législatifs. Nous sommes conduits dehors par des mauvais traitements, par nos représentants qui nous trahissent. Et partout sur Terre, la plupart du temps, nous protestons sur le plan législatif. Nous demandons que soient prises de nouvelles lois, d'autres décisions, de meilleures décisions. Et on le demande parce qu'on est dans un carcan, on est dans une prison politique dans laquelle nous ne décidons de rien. Dans cette constitution, nous n'avons aucun pouvoir, rien. Simplement une procédure qui nous permet de désigner nos maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis, contre lesquels on ne peut rien, même quand ils nous ont trahis, et qui sont désignés par les plus riches, qui ont les moyens d'aider leurs candidats. Ce qui fait que dans une assemblée, c'est vrai qu'il y a des amis du peuple dans l'assemblée, mais ils sont toujours minoritaires. La procédure de l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir politique en achetant la majorité. Et une fois qu'ils ont la majorité, ils écrivent les lois des riches pour les riches, et ça donne le capitalisme depuis 200 ans. C'est pas du tout une fatalité. Nous sommes dans cette prison parce que nous n'avons pas écrit ce texte. Ce que font les gilets jaunes, c'est que dans la liste des doléances qu'ils ont formulées au bout d'une semaine, c'est venu très vite en fait,
Donc il y avait des sujets législatifs, on veut plus de SDF, on veut un meilleur salaire minimum, on veut plus de privilèges pour les élus, on veut moins d'impôts. Tout ça, c'est des décisions législatives. Et ils se tournent par habitude, parce qu'on fait tout ça, puisqu'on est comme infantilisé par l'élection. L'élection nous maintient dans le rôle, le statut dégradant de l'électeur, qui est comme un enfant, un incapable politique. Un électeur, c'est un incapable politique. C'est quelqu'un qui ne peut décider de rien, et donc qui est réduit à demander à ses maîtres, soyez moins cruels, donnez-nous un peu plus de salaire. Et nous sommes comme des sous-hommes qui s'adressons à des surhommes, des élus, à qui on demande un peu moins d'impôts, quoi. Arrêtez de détruire l'hôpital. Et c'est évidemment une impasse, parce que dans ces 40 doléances, et dans les milliers que le pouvoir nous invite à rédiger pour rien, puisqu'ils ont décidé à l'avance de ne pas changer de cap, nous sommes toujours dans ce même état d'impuissance et ce statut de l'électeur. Mais au milieu de ces 40 doléances, il y a une pépite, il y a une espèce d'étoile dans le ciel, du soleil, qui est le référendum d'initiative citoyenne. Et ça, c'est pas législatif du tout, ça ne dit pas voilà une loi que je voudrais appliquer. C'est pas ça du tout. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est constituant. Ça dit, voilà comment je veux écrire les lois, voilà comment je veux choisir moi-même les sujets importants, moi le peuple, et voilà comment je veux opiner moi-même sur ces sujets que je considère comme importants. Mais ça, c'est absolument pas législatif. Je sors de mon statut. En mettant le référendum d'initiative citoyenne dans leur liste de doléances, je suis pas tout à fait sûr que les Gilets jaunes aient perçu tout de suite l'importance de ce qu'ils faisaient. Peu importe. Et ça leur est apparu très vite, en fait. Très vite, ils ont compris que ce truc-là, le référendum d'initiative citoyenne, allait leur donner tout le reste. Et que ça valait le coup de se concentrer dessus, pour l'avoir. Parce que si vous réclamez 40 trucs, même si vous êtes nombreux à pousser pour l'avoir, le pouvoir se débarrassera vite de nous en disant on aura deux des 40 doléances, et puis le reste, on s'en passera. Et le RIC aussi, on s'en passera. Alors que si on se concentre sur le RIC, il va falloir que les maîtres, nos élus là, il va falloir qu'ils argumentent sur le RIC. Et c'est très compliqué d'argumenter contre le RIC sans que ça se voit qu'on est un voleur de pouvoir. Tout de suite, ça va se voir que c'est des homophobes, des ennemis du peuple. Quand il va falloir qu'ils argumentent sur le RIC, ça va se voir tout de suite que c'est des ennemis du peuple. Mais donc, dans un premier temps, les Gilets jaunes, donc ils ont mis le RIC dans leur liste, et donc ils en ont fait une priorité, ils ont compris que c'était important, ils en ont fait une priorité, ça c'est absolument décisif, c'est historique. Historique, dans l'histoire des peuples, c'est quelque chose de nouveau. Et comme les doléances, ils ont dit, bah, nous on vous demande le référendum d'initiative citoyenne. Vous voulez bien ? Et ils ont vite compris qu'ils ne l'auront jamais. Demander sa liberté, ça ne marche pas comme ça. Si nos maîtres ont écrit ce texte qui est une prison, ce n'est pas pour nous en sortir à la première manifestation. Et donc les Gilets jaunes ont compris qu'il fallait qu'ils l'écrivent eux-mêmes, ce RIC. Et c'est pas la peine de le demander. Enfin, on peut le demander. Les débats vont être très intéressants. Les débats entre ceux qui disent « nous voulons le RIC » et ceux qui disent « mais vous l'aurez pas ». Ou vous l'aurez avec tellement de limites que c'est un fake, ce sera un faux RIC. Le débat va être très éclairant pour tous ceux qui ne sont pas encore Gilets jaunes, qui vont s'apercevoir qu'en fait les Gilets jaunes sont en train de s'occuper de quelque chose d'absolument décisif et essentiel. Et c'est ce qui fait penser que les Gilets jaunes bientôt seront beaucoup plus nombreux. À mon avis, toute la société, à part les 1% les plus riches et leurs relais médiatiques servis, toute la société a intérêt à devenir Gilets jaunes. En fait, a intérêt à devenir constituant, citoyen constituant, c'est-à-dire non pas réclamant la souveraineté, mais apprenant par des travaux pratiques à instituer eux-mêmes, instituer chacun soi-même sa souveraineté, ce qui demande des exercices pratiques, ce qui demande d'écrire. Je crois que la première partie à laquelle j'ai droit, c'est un quart d'heure, donc je suis en train d'arriver au bout de mon temps, pardon, parce que je peux parler 6 heures sans arrêter. Il est donc question, ce soir,
Il me semble que le plus important, ce serait que nous commencions, que vous commenciez à vous entraîner. C'est bien beau de décrire cette théorie, qui est une idée. Je crois qu'elle est profondément émancipatrice, c'est-à-dire que dans un peuple qui devient constituant, il n'y a plus de place pour un tyran. C'est une idée véritablement protectrice qui incite les congénères humains à devenir vigilants à l'encontre des pouvoirs. Mais cette idée-là ne suffit pas. Ça n'est qu'une idée. Elle aura la force que vous saurez lui donner par votre pratique assidue. Il faut que vous vous entraîniez, il faut que vous écriviez des articles. Peut-être qu'au début, ça ne va pas être bien. Vous allez, comme un enfant, puisque nous sommes des enfants, nous sommes des électeurs. Électeurs, nous sommes des incapables politiques, des enfants. Et quand vous allez écrire, au début, tiens, je sens un stylo rouge, parce que je suis prof, ça. Quand vous allez écrire votre premier, pardon, quand vous allez écrire votre premier article de constitution, c'est un petit peu comme si j'étais un enfant, j'écris des lignes de A. Et au début, mes A, ils sont maladroits. Puis en fait, au fur et à mesure, je suis en train d'écrire des A. Au fur et à mesure, j'écris des A, je les écris de mieux en mieux. Et ce qui compte, pour moi, et pour la société, c'est pas les A que j'ai écrits, les A, vous les gardez par nostalgie, mais c'est pas eux qui comptent. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans ma tête quand je suis en train de devenir capable d'écrire des A. Et les ateliers constituants, quand vous allez lire ce texte, comprendre que c'est une prison, voir à quel endroit vous êtes à l'extérieur, et prendre votre stylo et écrire. Le Parlement vote la loi. Je vois article 24, le Parlement vote la loi. Point. Est-ce que vous comprenez, quand vous cherchez à quel endroit vous êtes tenu à l'écart, est-ce que vous comprenez comment vous êtes tenu à l'écart quand il y a écrit article 24, le Parlement vote la loi? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux citoyens? Ça veut dire, ce ne sont pas les citoyens, mais le Parlement qui vote la loi, ce serait plus clair. Mais vous pouvez changer ça. Vous pouvez dire, le Parlement prépare la loi. Vous savez, j'écris là. Ça, ils ne veulent pas que vous le fassiez. Ce que vous êtes en train de faire, quand vous êtes en train de changer le contrat social, là, vous êtes en train de devenir un adulte politique. Le Parlement prépare la loi, qui est ensuite, j'improvise en même temps que je vous parle, hein, qui est ensuite votée par les citoyens. Peut-être que je m'étonne quand je dis ça, hein. Peut-être que je vais trop loin, peut-être que les gens n'ont pas envie de voter toutes les lois, peut-être que... Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on n'écrit jamais bien du premier coup. Oui, vous allez vous tromper, on va mal écrire, mais c'est pas grave, on va raturer. Le secret de l'action, c'est de commencer. Quand vous commencez à écrire des articles de constitution, ils vont pas être bons tout de suite, et c'est pas grave du tout. Ce qui est très important, c'est que vous osiez. Là, vous êtes comme un enfant qui est en train de sortir de l'enfance et qui devient un adulte politique. Et bon, bah, au début, vous allez faire des bêtises. Vous allez vous tromper. Et puis quand vous allez en parler avec votre voisin, vos camarades, vos parents, vos enfants, quand vous allez en parler entre vous, vous allez confronter vos idées. Vous allez dire, ah, ça c'est une bonne idée, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Et vous allez vous progresser. Je suis trop long. Et c'est pas grave que ça donne pas d'effet tout de suite. L'enfant, quand il apprend à écrire, il n'est pas tout de suite capable d'écrire un beau roman, une belle histoire ou une belle hypothèse scientifique ou politique. Pour l'instant, il en est à apprendre les bases de l'écriture. Mais tant qu'il n'a pas appris les bases de l'écriture, il va lui manquer l'outil essentiel pour devenir autonome. Ben nous, c'est pareil. Il faut qu'on apprenne. Et ça va plus vite, en fait, que d'apprendre à lire ou à écrire. Ça va plus vite, parce que vous allez voir, des ateliers constituants, j'en fais depuis 10 ans. Et les gens comprennent à toute vitesse. Et ils sont très bons. Les élus nous disent qu'ils sont pas bons. Ils nous disent qu'on est incompétents, qu'on est des brutes, des bêtes, qu'elles ont rétabli à la peine de mort. Ça, c'est du bullshit complet. Les gens que je rencontre dans les ateliers constituants, ils font pas ça du tout. Simplement, ils mettent des contrôles. Ils décident de mettre en place l'élection, peut-être. Oui, ils peuvent garder l'élection. Sauf que ils contrôlent les élus comme le lait sur le feu, un peu comme les gilets jaunes.
décide les règles de la représentation avec des surveillance dont on parlera tout à l'heure. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, tu nous fais même les transitions, puisque dans un premier temps, nous allons nous lancer dans une démonstration d'atelier constituant autour de l'organisation des débats contradictoires et de leur retransmission. Donc en fait, il s'agira de s'organiser directement entre citoyens pour apprendre à communiquer via de nouveaux médias libres, sains et plus vertueux. Donc nous accueillons sur scène Régis Chamagne, ancien colonel de l'armée de l'air, qui va nous donner donc un point de vue un peu plus pointu, spécialisé en termes de géopolitique. Et on va accueillir également une des plus grandes lanceuses d'alerte françaises, qui a joué un rôle décisif en dénonçant les pratiques d'évasion fiscale et le blanchiment de fraude fiscale. Notre invitée surprise, Stéphanie Gibaud. D'aider les autres citoyens avec une puissance telle que Stéphanie. Il y en a quelques-uns et ils sont martyrisés par le pouvoir. Alors qu'ils nous défendent, ce sont les amis du peuple, ils sont martyrisés par les ennemis du peuple qui sont les élus. Et donc ces gens-là, les lanceurs d'alerte, ils ont besoin de vous. Vous entendez ? Faites comme si je vous parlais à chacun d'entre vous. Les lanceurs d'alerte, ils ont besoin de nous. Et si on n'est pas foutu de les aider en faisant, je sais pas, un virement de 1 euro, si chacun d'entre nous ici, on faisait un virement de 1 euro chaque mois, 1 euro, 1 euro. C'est pas beaucoup 1 euro. Si on faisait un virement de 1 euro, elle serait sortie de la merde et elle pourrait continuer à se bagarrer. Au lieu de ça, on n'est même pas foutu de faire ça. C'est pas bien. Le fait qu'on ne soit pas capable d'aider nos lanceurs d'alerte est un crève-cœur. On devrait aider Stéphanie. Justement, Stéphanie, on voulait te demander ce que tu pensais donc, du rôle de la presse en France dans cette situation actuelle conflictuelle. Avant de répondre à cette question, je voulais déjà vous remercier. Merci d'organiser cette agora et puis merci de m'inviter, bien sûr. Et comme j'ai travaillé dans l'organisation d'événements pendant plus de 10 ans, je sais le travail que ça représente. Donc bravo, parce qu'on dit jour, vous avez fait un travail formidable. Et puis je veux dire aussi merci aux Gilets jaunes, parce que peut-être que justement les lanceurs d'alerte qu'on a assassinés à tous les niveaux, que ce soit psychologique, social, financier, aussi avec la justice, et aussi avec la complicité de nos hommes politiques, peut-être qu'on va revivre, on aura une résurrection grâce à vous, les Gilets jaunes. Alors avant de répondre sur le rôle de la presse sur la situation actuelle, on peut juste rappeler le rôle de la presse tout court, qui est un devoir d'information, à l'opposé d'être un outil de communication qui s'apparente à de la propagande. Et je voulais vous lire 10 articles, c'est très rapide, 10 articles qui sont les devoirs des journalistes. C'est extrait de la charte de Munich, parce qu'elle a été signée à Munich en 1971, et ce sont les 10 devoirs des journalistes. Et pour vous, citoyens gilets jaunes, vous allez être excessivement intéressés dans le contexte actuel.
Le premier devoir de journaliste, c'est de respecter la vérité. Mais attendez, ça va être encore mieux. Vous allez finir de vous. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, le journaliste, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Le deuxième devoir du journaliste, c'est de défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Le troisième devoir, publier seulement les informations dont l'origine est connue. Quatrième devoir, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Cinquième devoir, s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Rectifier, le sixième point, rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Je pense que certains vous doivent des excuses. Septième devoir du journaliste, garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. Huitième point, s'interdire, le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Alors moi, mon préféré, c'est celui-ci, le neuvième. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste. Et le dernier point, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la direction. Voilà, je pense que ça, vous allez pouvoir l'avoir sur les ronds-points. Alors ça, c'est le rôle de la presse tout court. Donc le rôle de la presse dans la situation actuelle, ben moi, ça me fait penser justement au rôle de la presse avec les lanceurs d'alerte. C'est vrai qu'on est eu drôle discrédit. On était très seuls et en fait, on a attaqué le messager. Justement, au lieu de parler d'évasion fiscale, au lieu de parler de médicaments qui font plus de mal que de soigner, au lieu de parler des dysfonctionnements des administrations, à chaque fois, on s'est focalisé sur les personnalités des lanceurs d'alerte. Sur les gilets jaunes, moi, ce que j'ai trouvé de parallèle, c'est qu'en fait, au lieu de s'occuper du cœur du problème, les journalistes se sont souvent focalisés sur les violences de certains gilets jaunes et de certaines actions. Et personnellement, ça m'a beaucoup choqué. Alors, quelles questions on peut se poser et comment est-ce qu'on peut avancer pour que le rôle de la presse soit celui d'une démocratie qui n'en a que le nom aujourd'hui. Peut-être que les 10 points que je viens de vous lire sont à marteler à chaque fois que vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous voir ou qui va essayer de vous poser des questions un petit peu orientées. Le deuxième point, c'est que l'impartialité des médias, l'impartialité du journaliste est très importante. On est d'accord, il y a une ligne éditoriale. Le Monde n'écrit pas comme Le Figaro, n'écrit pas comme Mediapart, n'écrit pas comme Le Point, L'Express, Libération. Mais en tout cas, l'impartialité du journaliste est importante. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est mon troisième point. En France, 90% des médias appartiennent à une poignée de milliardaires, une dizaine de milliardaires, dont le métier est de vendre des armes, de vendre de la téléphonie mobile, de faire du business en Afrique. Et la question à se poser, c'est que tous les médias en France perdent de l'argent. Comment vous expliquez que tous ces capitaines d'industrie qui sont des gens à la fois très intelligents, qui sont très bien entourés, très bien conseillés, peuvent investir massivement dans des journaux et des médias qui leur font perdre de l'argent. La réflexion que j'ai eue par rapport à cette question-là, de la presse ou de la presse en ce moment,
c'est que quand un journaliste fait son métier d'investiguer, d'aller chercher l'information, qu'est-ce qui lui arrive en Europe en ce moment, en 2018-2019? Je vais vous donner 5 exemples. 2 exemples de Français que vous connaissez peut-être. Le premier s'appelle Nicolas Vescovacci, qui est un journaliste qui vient d'écrire un livre sur Monsieur Bolloré, qui est traîné en diffamation. Je crois que Monsieur Bolloré lui demande 700 000 euros de dommages et intérêts, enfin de diffamation, d'attaque de son image, etc. Alors que, comme tout journaliste qui se respecte, il lui a envoyé un certain nombre de courriers pour justement que ce monsieur réponde à ses questions avant la publication de son livre. Donc, traîné en justice, ça s'appelle des plaintes Bayon. Et on a un autre exemple, c'est celui d'Edouard Perrin, vous connaissez peut-être, le fameux journaliste des Duclix, qui travaille avec Elise Lucet pour les documentaires de Clash Investigation. Edouard Perrin a lui aussi été traîné devant les tribunaux au Luxembourg parce qu'il y a eu une violation du secret de ses sources. Ce qui est quand même absolument dramatique. Et alors ça, c'est chez nous en France. Mais en Europe, où nous vivons, 3 journalistes ont été assassinés cette dernière année, dont 2 femmes. La première d'entre elles, c'est Daphné Caruana, qui a été assassinée à Malte. Et en 2018, en Slovaquie, Jan Kuciak, et plus récemment en Bulgarie, une jeune journaliste de 30 ans. Donc nous, la France, pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mon avis, c'est que les premiers lanceurs d'alerte sont ou devraient être les journalistes, puisque la liberté d'informer est dans notre constitution, chère Étienne. Donc les journalistes français devraient montrer l'exemple. En étant tous gilets jaunes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le métier de journaliste n'est pas évident. Ceux qui essayent de faire leur métier correctement, ils sont confrontés aux fake news, dont vous avez forcément entendu parler ces derniers temps, mais aussi au secret des affaires. Aujourd'hui, les lanceurs d'alerte et les journalistes ont vraiment mal à partir, parce que les amendes et les plaintes, les plaintes sont à la fois très longues et coûtent très très cher. Et aussi parce qu'il y a une précarité de la profession des journalistes, notamment chez les jeunes. Alors comme on parle avec les gilets jaunes de pression fiscale, de pouvoir d'achat, ils devraient quand même avoir un minimum de courage pour être tous derrière vous, avec leurs gilets jaunes. On voit aujourd'hui qu'il y a des listes d'avocats. Moi, j'ai tweeté ça ce matin sur Twitter et j'ai vu ça sur Facebook. Il y a des listes d'avocats gilets jaunes qui défendent les citoyens. Il devrait y avoir une liste de journalistes gilets jaunes parce que leur profession est d'informer et non pas de blablater. Malheureusement, sur les plateaux télé, il y a beaucoup de journalistes qui ont fait les mêmes écoles que nos hommes politiques, notamment l'ENA et Sciences Po, et que cette connectivité ne permet pas l'échange d'informations, en tout cas la liberté d'informer est en grand danger. Et pour avoir une presse de qualité, il faudra avoir une presse indépendante. On sait qu'il y a des subventions énormes de l'État, surtout ces journaux qui perdent énormément d'argent. Donc, pour conclure, je voudrais juste vous parler d'une publication que peu de gens connaissent en France, ce qui me surprend à chaque fois, c'est Wikileaks. Wikileaks, il y a ces dernières années, donné des informations qui concernent tous les citoyens de la planète, entre autres des meurtres de militaires de l'armée américaine sur des civils, sur des journalistes, sur des enfants au Moyen-Orient. Le fondateur de Wikileaks s'appelle Julian Assange. Il est enfermé à l'ambassade d'Équateur, à Londres, dans une pièce de 5 mètres carrés. Donc il n'a pas vu la lumière depuis 6 ans.
Et depuis le mois de mars, le gouvernement de l'Équateur a coupé tous ses accès, téléphone, internet, puisque les pressions qui ont été exercées, notamment par le gouvernement américain, sont énormes. Je suis une des seules en France à me lever, à militer pour que Julian Assange retrouve une vie. En 2016, des experts des Nations Unies ont écrit un rapport disant qu'il était enfermé de manière arbitraire, qu'il devait être immédiatement libéré et indemnisé du préjudice subi. On peut se demander qui est Londres, qui est le Royaume-Uni, pour ne pas obtempérer aux décisions d'experts des Nations Unies. Julian Assange avait demandé l'asile au président François Hollande. Ça a été refusé. Je suis une de celles qui n'ai pas arrêté d'écrire à l'Élysée pendant 5 ans pour dire à monsieur Hollande, mais nous sommes le pays des droits de l'homme. On n'arrête pas de donner l'asile en France à des gens. Là, on a quelqu'un qui a demandé l'asile parce qu'il est en danger de mort. Et il a notamment, via Wikileaks, donné des informations essentielles qui m'a expliqué que les gouvernements de Sarkozy et Hollande avaient été écoutés par la NSA, hein, par l'agence américaine. Nous devons accueillir Julian Assange en France. Toutes mes demandes, et tous ceux qui ont écrit, hein, je ne suis pas la seule, on s'est retrouvés avec les lettres mortes. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui est enfermé depuis 6 ans, qui a à peine accès à un médecin, qui ne peut pas sortir, qui ne voit pas la lumière du jour. Donc je vous demanderai tous, si vous avez envie de plus de liberté d'expression en France, de soutenir Wikileaks et de soutenir Julian Assange. Merci. Merci à toi Stéphanie, merci beaucoup pour toutes ces infos, merci pour ta présence, et puis on te soutient. Alors, Régis, quant à toi, peux-tu nous donner rapidement ton analyse de ce mouvement jaune qui prend naissance dans plusieurs pays, finalement? Et pour finir, on va te demander d'ouvrir ce premier atelier en nous proposant une solution qui irait dans la colonne de droite du document que tout le monde a sous les yeux. Quelle solution, selon toi, pour avoir une presse plus libre et indépendante? À toi, Régis, les micros sont ouverts. Ok, merci de m'avoir invité. Alors je vais parler des mouvements des Gilets jaunes à la fin. Mais d'abord je vais changer un peu de perspective. Je vais commencer par une citation de Meyer Michel Rothschild, 1744-1812, Francfort. C'est le fondateur de la dynastie des Rothschild et selon le magazine Forbes, il est le père de la finance internationale. Et il a dit ceci: donnez-moi les moyens, le pouvoir de créer et de contrôler la monnaie d'un pays, et peu m'importe qui fera les lois. Et du reste, ça marche bien. Parce que quand on crée la monnaie, quand on contrôle la monnaie, ben on peut acheter des médias. Ça commence comme ça. Et puis ensuite, faire élire à peu près qui on veut. Et le résultat, c'est la situation que nous avons aujourd'hui. Une oligarchie bancaire internationale gouverne le monde occidental. Elle le fait via des institutions et des relais. L'Union européenne, les traités de l'Union européenne sont un de ces relais, en tout cas celui qui s'applique à nous. L'Union européenne est régie par deux traités, le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si vous avez le temps, je vous conseille de lire deux articles. L'article 17 du traité de l'Union européenne qui institue la Commission européenne en tant que dictateur de l'Union. Et l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui explique le mécanisme des grandes orientations de politique économique, en fait les lois qui nous sont imposées par Bruxelles. Ces lois sont préparées par la Commission européenne à travers des cabinets de lobbying
Alors, il y a environ 5 à 7 000 cabinets de lobbying aux alentours, à Bruxelles, autour des institutions européennes. Alors, en français, lobbying, ça se dit corruption. Moi, je préfère la langue française. Elle est beaucoup plus explicite. Cela dit, ça aurait pu marcher leur truc. Leur objectif, cette oligarchie, c'est de ramener 99% de la population en esclavage. Et vous savez que le journal La Tribune, qui est un journal économique d'extrême gauche anarchiste, hein, comme chacun sait, a écrit un article à la fin de l'année dernière où il disait que en 2017, 82% de la richesse créée en France a fini dans les poches des 1% des plus riches. Alors leur objectif, c'est d'atteindre les 95%, évidemment. Ça aurait pu marcher si la mondialisation avait marché. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ce projet? Eh bien, c'est que des peuples libres refusent cela. Alors, quand ces peuples libres, quand ces pays souverains, plus exactement que peuples libres, on va dire souverains, quand des pays souverains s'opposent à ça, qui n'ont pas de dette, on les détruit. L'Irak, la Libye, la Syrie, ah mince, ça n'a pas fonctionné en Syrie. Et puis, d'un autre côté, comme ils ont essayé de s'attaquer à la Russie, là c'est un peu un gros morceau, donc du coup les Russes ont pu jouer le jeu. Et du coup ce projet de mondialisation échoue, est en train d'échouer. Et ça c'est la bonne nouvelle. Nous vivons... Nous vivons un moment de changement de paradigme géopolitique. L'ancien paradigme est en train de s'effondrer et un nouveau paradigme naît. Les prémices sont dans l'organisation de coopération de Shanghai qui lie pas mal de pays, la Russie, la Chine, l'Inde et pas mal de pays de la région, à travers donc un organisme de coopération, et là-bas se joue ce que seront les futures relations internationales du 21e siècle. Pendant ce temps, le monde ancien, le vieux monde, est en train de s'effondrer. Ça a commencé en 2008 avec la crise financière des subprimes. Il y avait eu des prémices en 1997 avec la crise financière des îles du Sud-Est que les États-Unis n'avaient pas été capables de contrôler. Et là, tout s'accélère. Nous assistons en ce moment, en temps réel, à l'effondrement de la puissance militaire américaine. Tous leurs derniers programmes sont des échecs technologiques et opérationnels et des gouffres financiers. L'avion de combat F-35, le nouveau porte-avions de la classe Ford, le destroyer de la classe White, les nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont tous des échecs technologiques et des gouffres financiers. Et comme ils mettent tout leur argent là-dedans, il y a une corruption énorme au Pentagone et puis une organisation complètement idiote, comme ils mettent tout leur argent là-dedans, du coup, ils n'ont plus assez d'argent pour entretenir les matériels dont ils se servent pour les opérations courantes. C'est ce qui fait qu'il y a un double effet. Et aujourd'hui, la puissance militaire américaine est en train de s'effondrer. Dans le même temps, on voit la Russie qui est en train de devenir la meilleure armée du monde. Enfin, elle l'est déjà depuis plusieurs années, mais là, ça se voit, cette fois-ci. Sur le plan économique, c'est pareil. Aux États-Unis, il y a plus de 100 millions de personnes qui ne sont pas enregistrées sur le marché du travail. Ils ont complètement paupérisé leur classe moyenne, si bien que c'est la pauvreté n'entretient plus leurs infrastructures. Les réserves d'or de Fort Knox n'ont pas été contrôlées depuis plus de 20 ans. 15 ans, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a, mais on se doute qu'il n'y a pas eu plus grand chose. Bref, on assiste à un effondrement américain. Et le Make America Great Again de Trump, qui est une tentative de sauvetage de ce système, peut être comparé à la perestroïka de Gorbatchev. Quand un système s'effondre, il y a toujours quelqu'un qui essaie de le sauver, mais malheureusement, à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça se retourne contre lui. Les barrières douanières américaines contre la Chine ont un effet complètement inverse de ce qui était visé. Il met des barrières douanières alors qu'il n'a pas d'industrie. C'est complètement fou.
peut mettre des barrières douanières quand on a structurellement une industrie qui est capable de reprendre la main, mais là, il ne l'a pas. Toute l'industrie américaine a été délocalisée, donc il met des barrières douanières à contre-temps. Et, c'est là, et donc ça aggrave encore la situation économique américaine. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. De l'autre côté, on voit le nouveau monde qui naît, en particulier à travers les relations entre la Chine et la Russie. Vous voyez, un truc qui m'avait marqué, c'était le 3 septembre 2013. Donc Obama, Hollande et toute la clique étaient prêts à partir en guerre contre la Syrie. Et pour ouvrir le bal, Obama a fait tirer deux missiles sur la Syrie. Ces missiles ont été interceptés par deux missiles antimissiles russes à tirer depuis des bateaux qui naviguaient près des côtes syriennes. Deux ou trois jours plus tard, donc petite victoire russe, limitée, mais victoire. Deux jours plus tard, ou trois jours plus tard, le président chinois annonce qu'il va falloir dédollariser l'économie mondiale. Donc vous avez une petite victoire technologique russe dans le domaine militaire, et tout de suite après, le président chinois qui annonce une action dans le domaine économique. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe depuis. La Chine, la Russie ont créé leur système d'échange interbancaire, dont les Américains avaient le monopole après, ils s'échangent entre eux dans leur propre monnaie, donc petit à petit on dédollarise l'économie mondiale, et on voit les relations militaires, économiques, russes et chinoises prendre de l'ampleur et mettre les États-Unis de côté, c'est là le nouveau monde qui se crée. Du reste, les grandes ruptures technologiques récentes nous viennent de Russie et de Chine. Dans le domaine militaire, le vol hypersonique, les engins hypersoniques ont été fabriqués par les Russes, les Chinois ne sont pas très loin derrière. Il y a un autre domaine que peu de gens connaissent, qui est le domaine des radars quantiques. Bon, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais bon, c'est une révolution technologique. Pour l'instant, on est dans le domaine militaire. Je suis prêt à parier que dans les années qui vont venir, il va y avoir des ruptures technologiques dans le domaine de l'énergie et de la mobilité, et que ces ruptures technologiques nous viendront de Chine et de Russie. Je suis prêt à parier ma solde. Voilà. Donc, voilà globalement où en est la situation économique. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce qui veut dire que l'Union européenne va se casser la figure, comme l'URSS en son temps. Bon, je vais conclure en revenant aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, là-dedans, moi, je vois le mouvement Gilets jaunes, donc ce mouvement du peuple français, comme un effet miroir de la situation internationale. Je me suis longtemps posé la question, en voyant le système, ce changement de paradigme géopolitique arriver, je m'étais longtemps posé la question, est-ce que le peuple français va réagir avant le basculement complet du système, ou bien est-ce que nous allons subir? Là, je constate que le peuple français a réagi avant, qu'il a bien réagi avec les symboles. Le gilet jaune, c'est le gilet de la détresse. C'est celui qu'on met sur le bord de la route quand on est en panne. Donc le symbole est fort. Et en plus, quand le peuple français se lève, c'est contagieux. C'est à ça qu'on voit que, premièrement, c'est bien un mouvement français, et que, deuxièmement, c'est un mouvement pertinent, qui a du sens. C'est le combat pour la liberté, pour l'émancipation, l'égalité et la fraternité. C'est le combat de l'élégance et de la beauté contre la vulgarité et la laideur de ce système. C'est un combat qui doit être joyeux. Oui.
car plus nous serons joyeux, plus ils auront la trouille. Merci. Merci beaucoup Régis. Donc Régis Chamagne, colonel de l'armée de l'air. Ancien ouais. Alors justement, on va prendre, là on va vous faire travailler, on va prendre deux petites minutes pour laisser le temps à chacun d'entre vous de noter dans la colonne de droite du tableau, donc première page, en milieu de page en fait. Donc vous allez essayer de trouver sur cette feuille. Délai et organisation de débats contradictoires pour éclairer l'opinion avant le vote. C'est en milieu. Tout en bas. Première page. Il faudrait présenter ça un peu. Tu veux en parler un petit peu avant de. Si tu veux, bien sûr. Le danger du référendum, c'est que, contrairement à la situation habituelle, nous allons opiner, nous allons donner notre opinion, c'est-à-dire que nous allons être législateurs. La force du référendum, c'est qu'au lieu d'élire, c'est-à-dire renoncer à voter, puisque élire, c'est renoncer à voter, au lieu de ça, dans un référendum, on va voter, c'est-à-dire qu'on va donner notre opinion et nous allons décider. Or, en démocratie, pour décider, il est absolument essentiel que le peuple soit éclairé, d'où l'importance d'une presse indépendante des ultra-riches. Aujourd'hui, si nous avions des référendums, nous risquerions fort de voir notre opinion mise à l'envers par les journaux des riches qui nous conduiraient à voter souvent contre nos intérêts. C'est ce qu'on voit souvent en Suisse. Donc, la réflexion sur les médias, qui est dans le troisième paragraphe, en partant du bas de la colonne centrale, là, l'opinion citoyen doit être honnêtement et complètement éclairée en toutes circonstances. Dans ce but, tous les médias du pays doivent appartenir à leurs journalistes et employés du moment. Ça, c'est une réflexion essentielle. Et juste au-dessus, le paragraphe précédent dit « Tout référendum doit être précédé d'une période pouvant aller de 3 mois à 2 ans de débats contradictoires. » Vous devriez réfléchir à ça. 3 mois, 2 ans, est-ce que ça peut être moins de 3 mois quand il y a urgence? Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait peu de temps entre l'initiative et le vote? Mais si vous acceptez qu'il y ait peu de temps, vous acceptez aussi qu'il y ait peu d'éclairage. Et s'il y a peu d'éclairage, il y a un vrai risque que nous prenions de mauvaises décisions. Vous avez intérêt à réfléchir un peu longuement, vous n'aurez peut-être pas réglé le problème ce soir, mais dans quelles conditions, si c'est nous qui instituons le RIC, et c'est ça l'enjeu, hein, si c'est nous qui instituons le RIC, dans quelle mesure nous pouvons nous protéger de nos erreurs probables à venir en allongeant le temps qu'il y a entre l'initiative et le moment du vote en référendum. Si vous prévoyez un long moment et des médias libres, vous vous assurez que le peuple verra son opinion correctement éclairée et qu'il y a moins de chances possible pour qu'il se trompe. Si vous réduisez cet écart et ou si vous ne faites pas attention à l'indépendance des médias par rapport aux riches, vous prenez un grand risque que les décisions soient mauvaises. Avec le sceau pourtant du peuple, puisque c'est le référendum qui a décidé, c'est le peuple qui a décidé, et nous aurons fait une bêtise, mais avec une difficulté à revenir en arrière parce que c'est le peuple qui aura décidé. Donc ces deux points-là qui sont à l'intérieur de la sous-partie délai et organisation des débats sont des points essentiels qui méritent votre réflexion. Sur les journalistes, ce que j'ai écrit là, c'est les médias devraient appartenir à leurs journalistes et à leurs employés. Il y a une autre façon de faire que je n'ai pas écrite, que vous pourriez écrire dans la colonne de droite ou écrire autre chose si vous trouvez une autre idée, ça m'intéresse au plus haut point. Une autre possibilité, c'est de faire des journalistes, faire avec les journalistes comme nous faisons avec les juges. Vous tomberez sans doute d'accord avec moi sur l'idée que laisser les riches
désigner les juges, ce serait une mauvaise idée. On aurait du mal à rendre une vraie justice si les juges étaient désignés par les riches, les plus riches d'entre nous. Donc c'est pour ça que, dans pratiquement tous les pays du monde, les citoyens décident de nommer eux-mêmes et de payer eux-mêmes les juges, pour que ce ne soit pas les riches qui les influencent. Eh bien, nous pourrions faire exactement la même chose avec les journalistes. Voyant les désastres depuis 200 ans des journalistes vendus aux riches et de la désinformation, de l'intoxication qui en est le résultat quotidien, constatant ça, nous serions tout à fait légitimes si nous écrivons nous-mêmes une nouvelle constitution, et c'est le cas ici, nous serions tout à fait légitimes à dire, mais nous, citoyens, nous voulons payer, nous tenons à payer, parce qu'en plus on a repris par ailleurs le contrôle de la monnaie, donc de l'argent on en a plein, nous tenons à payer les journalistes en les mettant à l'abri de tous les pouvoirs pour qu'ils soient indépendants et donc pluralistes dans la... Donc quand un jeune homme veut être journaliste, eh bien, il fait une école de journaliste, qui est une école publique, une bonne école privée, et qui peut d'ailleurs être rendue elle aussi indépendante pour que ce ne soit pas les pouvoirs qui décident de ce qui est enseigné aux journalistes. Et tout ça, c'est à vous de l'écrire. C'est à vous d'écrire comment vont être formés les juges et les journalistes, comment vont contrôler les juges et les journalistes, comment vont être rendus indépendants les juges et les journalistes. Et il y a la même logique, en fait. Donc c'est une autre possibilité que vous pouvez réfléchir. Et puis si vous trouvez une autre possibilité, ça m'intéresse. Voilà. Donc on n'aura sûrement pas le temps ce soir de parler de toutes les modalités du référendum citoyen. Ce qu'on vous propose, c'est de concentrer notre attention sur l'éclairage de l'opinion dans la période qu'il y a entre l'initiative citoyenne et le vote citoyen. Combien de temps on laisse et comment on organise les débats. Et puis, comment on rend les médias indépendants des ultra-riches. Et ça fait déjà un bon paquet de sujets de conversation pour le moment. Alors, super. Donc, dans la colonne de droite, et ça va être votre travail ce soir, dans la colonne de droite à ce niveau-là, vous allez noter en une phrase simple votre solution à vous. Quelle idée avez-vous pour rendre les médias plus libres, indépendants, justes? Donc, vous allez noter, c'est pour ça qu'on vous avait demandé d'apporter un stylo, j'espère que c'est bon. Et puis... Alors, pour ceux qui souhaitent nous donner leur solution, vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir faire passer un micro dans toute la salle. Donc, on va mettre en place une stratégie dont parle souvent Étienne, c'est-à-dire le tirage au sort. Donc, on a des modérateurs de salle qui devraient passer vous voir. Donc, voilà, de chaque côté, pour les trois rangées, ils vont passer vous voir avec une grosse boîte dans laquelle vous allez mettre... Vous aviez un petit papier aussi avec vous, un petit papier blanc. Ils sont sur les côtés, les modérateurs, ils vous font des signes. C'est ça. Donc sur ce petit papier, vous allez noter votre nom, votre prénom et votre ville. Et si vous souhaitez apporter votre solution, vous mettez le papier dans la boîte. Et ensuite, on tirera au sort. Est-ce que c'est compris ou on recommence? C'est bon? C'est clair? C'est bon, hein? Allez, super. À vous de jouer. Donc je répète, hein, nous tentons de proposer une solution pour que nos médias puissent avoir leur rôle de médias et uniquement. Voilà, donc les modérateurs, merci à eux. Passent vous voir avec des boîtes. Ici, merci. Il y en a sur les trois rangées normalement. Alors en attendant, est-ce qu'on aurait un enfant dans la salle ? Parce qu'en fait, on a besoin d'une main innocente. Non, un enfant, monsieur. Je sais que certains venaient avec des enfants et c'était tout à fait possible. Tu as un enfant? Alors, si un enfant peut nous rejoindre. Allez. Ben, si quelqu'un peut revenir sur scène avec un enfant, n'importe lequel, ne vous inquiétez pas. Alors après réflexion, donc je vous le rappelle, vous notez dans la colonne de droite en une phrase simple votre solution pour que nos médias
puissent tenir leur rôle de médias et uniquement de médias. Il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte que c'est très très court le temps qu'on leur donne, à 2 minutes, pour comprendre la problématique et rédiger une proposition. C'est extrêmement court. D'habitude, dans nos ateliers constituants, on peut y réfléchir pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et encore, on n'aura pas tout trouvé. C'est-à-dire qu'il faut quand même du temps pour arriver à imaginer. En fait, ce qu'il faut que vous arriviez à concevoir, à vous figurer intellectuellement, ce sont les chemins qui permettent aux riches de prendre le contrôle de l'information. Et une fois que vous voyez ces chemins, il faut barrer ces chemins, il faut les empêcher. Et donc, après ça, il faut formuler le barrage, formuler l'interdiction pour les riches de prendre le contrôle d'une façon ou d'une autre. Ça va vous demander une réflexion. Voilà, 2 minutes pour rédiger ça, c'est pas beaucoup. Donc je veux dire, ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas votre faute. Alors au niveau des modérateurs, qui ont il y a 3 caisses normalement qui circulent, 3 caisses en plastique. Dès que c'est bon, bah, il s'agira de les ramener sur scène. Et puis on a Jimmy, 4 ans, qui pourra tirer au sort. D'une main innocente, je crois. Quand vous êtes en train d'écrire, vous vous transformez. Si vous écrivez, par exemple, les citoyens français décident de payer eux-mêmes leurs journalistes comme ils payent leurs juges, si vous écrivez un truc comme ça, normalement vous vous transformez dans votre bête. Vous êtes en train de redevenir ce que vous devriez être, c'est-à-dire l'employeur des pouvoirs. Alors, merci beaucoup, merci à tous. Merci d'avoir joué le jeu. Vous êtes nombreux en fait à vouloir donner vos solutions. Et donc on va faire venir Jimmy, 4 ans. Allez, viens, moi. Qui va tirer au sort. Tirage au sort.
J'espère avoir bien les mots et les féminins. Il y en a beaucoup qui ont noté leur réponse, leur solution en fait. Aïe. Ça... S'il n'y a pas de nom, prénom, et j'en prends un dernier. S'il n'y a pas de nom et de prénom, je suis désolée, on retirera quelqu'un d'autre au sort. Je suis navrée. C'est juste le nom et prénom qu'il fallait noter. Eh ben c'est super, merci Jimmy. Alors, donc premier papier, donc on va rappeler les personnes si vous pouviez vous lever. Miguel de Carmoul. Le petit Miguel est attendu. Miguel de Carmoul. Donc s'il pouvait se lever, il est là-bas au fond à gauche. Au fond à gauche, donc on va vous apporter un micro. Il est là-bas. Et vous allez pouvoir nous donner votre solution. La solution pour les journalistes, ben, je pense que c'est un peu comme le, ce que vous avez dit avant, hein, que ça nous appartienne à nous, qu'on les paye avec des impôts ou une... ouais, je pense que c'est ça. Hein, parce qu'il ne faut plus que ça appartienne aux multinationales et que les politiques s'en servent pour nous raconter des bobards. Mais je ne vois pas d'autre solution, hein, parce que... Il faut bien les payer, parce que tout travail mérite salaire, mais il ne faut plus que ça appartienne aux multinationales qui nous manquent, qui sont les vrais décideurs de la politique, parce que les politiciens, maintenant, c'est des toutous de multinationales, etc. Bon, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, tout à fait un début d'article. Hein. Après ça, quand il va en parler avec ses copains de travail, quand il va en parler avec ses parents, avec ses enfants, ça va s'améliorer, ça va. Mais l'idée de base, elle est bonne. Et après ça, il faut en améliorer la tournure. C'est tout à fait le début d'un atelier constituant. Ça. Tout à fait. Alors, on a Norbert de Toulon. Norbert Toulon. S'il pouvait se lever. Nous faire signe. Il est là au milieu. Voilà, au milieu, voilà. Donc on vous apporte un micro. Il y a deux Norbert. D'accord. Attendez. Ah, ben, voilà. Norbert Toulon, qui nous a écrit aussi sa réponse en fait. Ils ont qu'à parler tous les deux, hein. Ils ont dit si on voit. Tu vois, ils tiennent le tirage au sort, c'est limite en fait. Hein. Ouais, non, mais c'est pas grave, ils vont donner chacun leur solution s'ils sont deux. Concernant le délai, ça commençait comme ça au niveau de l'explication. Concernant le délai. Alors, donc, Norbert de Toulon, c'est bon? On l'a trouvé? Oui, moi je voulais dire qu'il faudrait faire un Facebook qui soit contrôlé par nous. Et non pas contrôlé par l'oligarchie. Et ça, on pourrait à la fois passer de l'information et puis exprimer l'opinion populaire. Ça pourrait marcher. Facebook aujourd'hui joue un rôle de service public. En vous connectant, il fait de chacun d'entre nous un neurone dans un grand cerveau collectif absolument historique dans l'histoire des hommes et qui nous permet de grandir à toute vitesse. À toute vitesse, on va être très nombreux, beaucoup plus vite que ce qui n'a jamais été observé dans l'histoire des hommes. Mais Facebook, de ce point de vue, joue vraiment un rôle de service public avec de graves défauts du fait qu'il est propriétaire, qu'il nous surveille, qu'il vend les données au gouvernement américain, etc. Et puis qu'il ne transmet pas toute l'information comme il faudrait, il triche. Mais nous n'avons que ça. Et nous nous rendons compte que nous devrions écrire dans notre constitution d'origine citoyenne, que nous allons écrire ensemble, il faudra sûrement qu'on prévoie un article qui institue des réseaux sociaux citoyens. Merci, Étienne. Alors, Jimmy va retirer un petit papier dans chaque boîte parce qu'il n'y avait pas les prénoms. Il y a le deuxième Norbert qui voulait intervenir. Il y a l'autre Norbert qui veut profiter de sa chance. Non, pas profiter. Attends. Alors, votre question, je l'approche sous deux voies. La première voie, ce que vous disiez, Étienne, le délai. Je pense que ce délai, c'est une question qui est fondamentale, et entre 3 ans, 2 ans,
ça me semble un écart suffisant, mais il faut le, je pense, le graduer. Et le graduer peut-être au regard des complexités, des problématiques soulevées, des expertises que cela peut soulever, et une problématique peut être simple, qui va faire appel à un ou deux experts, on peut éclairer de manière assez rapide le peuple et prendre une décision rapide, ce qui est le synonyme de l'efficience quelque part. Donc ça, c'est mon avis sur, en termes de délai. Donc je suis plutôt en phase à ce que vous avez écrit, mais une graduation me semble nécessaire et à préciser, justement pour garder le dynamisme dans la réponse qui aujourd'hui est clairement attendue, car c'est la lenteur qui provoque ce marasme quelque part économique. Par ailleurs, je voudrais revenir ici à la deuxième question qui est l'indépendance du journalisme. Alors, je vais faire une analogie avec peut-être un monde que vous n'avez pas, qui est le monde de la finance. Et dans le monde de la finance, c'est comment on contrôle indépendant des pouvoirs. Or, si vous faites un ministère
les journalistes, vous allez être les journalistes sous la dépendance d'un des pouvoirs qui doit surveiller, et donc ça pose un vrai problème. Vous allez, à mon avis, on ne va pas arriver à rendre les journalistes indépendants et donc capables de mordre les mollets des pouvoirs en train d'abuser. On ne va pas se rendre capable de les mettre en place sans garantir leur indépendance et ne les contrôler que par des citoyens tirés au sort, c'est-à-dire n'importe qui. Si on les fait contrôler par un pouvoir, ce pouvoir n'aura rien à craindre de ces journalistes. Il ne faut pas que les journalistes dépendent d'un des pouvoirs qu'ils doivent contrôler, je pense. Il faut trouver un autre mot que ministère. Merci beaucoup, Étienne. C'est bien, un atelier constituant, c'est en grand comme ça, ça permet de faire un... de rester ensemble, parce que quand on fait des ateliers constituants, d'habitude, on fait des petits groupes de 4, 5, 6, 8. Alors l'inconvénient, par contre, là, c'est qu'il y en a peu qui parlent en même temps, mais en même temps, on est bien sur la balle tous, ça permet de voir plein de problèmes différents, c'est intéressant comme solution. Tant mieux, alors. On avait donc une réponse proposée par Alexandra, ou Alexandre Casper de Vidauban. Alors, Vidauban, Alexandre ou Alexandra? Non, famille c'est Casper, c'est Alexandre, bon. Alors. Merci beaucoup, modérateur. C'est un peu la course pour eux et enfin, franchement, merci à toute l'équipe, à tous les bénévoles, à tous. Voilà. Bonjour, bonjour. Moi, je voudrais d'abord revenir sur le délai. Je trouve que 3 mois, ça paraît vraiment trop court pour toutes les réactions qui toucheraient des domaines qui nous touchent trop, comme le terroriste, tous les domaines qui sont écartés par le gouvernement dans le référendum qu'il veut faire. A contrario, 2 ans de délai, ce serait beaucoup trop long, puisqu'on est un peu dans un domaine, l'information doit être un peu immédiate. Il faut un délai un peu plus court, je pense, pour que les gens restent attachés à la problématique. Ensuite, on a le deuxième sujet concernant l'indépendance des journalistes. Le crowdfunding, enfin, payer les journalistes par le peuple, c'est à mon avis absolument nécessaire. Il faudrait aussi viser toute la suppression de la publicité qui touche les médias, puisque les médias sont achetés aussi par le fait de la publicité. Et en même temps, ça permettrait d'assainir un petit peu tous ces médias. Ça diminuerait les prix. Oui, tout à fait. Et je voudrais revenir aussi sur un truc qui est beaucoup décrié. À tort ou à raison, c'est la loi qui a été passée sur les fake news. Je trouve que on sait très bien ce que le gouvernement veut en faire. Il veut, on va dire, maîtriser la narration, c'est-à-dire empêcher les gens de développer ce que le gouvernement déclare comme des thèses complotistes. Mais je trouve que la loi fake news devrait en fait servir le peuple, c'est-à-dire pas aller jusqu'à un organe de contrôle des médias, mais permettre justement, pousser les journalistes à donner une information un peu plus validée, un peu plus vérifiée. Parce que le problème que nous avons là, c'est que vous avez des journalistes qui font n'importe quelle déclaration. Et on a très très peu de retours en arrière, on a très très peu de corrections qui sont apportées. Donc ce serait bien de punir grossièrement les journalistes, voilà, tant qu'ils font des fake news et que voilà, ils nous accusent de l'autre côté d'être les complotistes. Alors qu'au final, voilà, on sait ce qu'il en est. Voilà, je vous remercie. Vous n'êtes pas obligé de prévoir un seul délai pour tous les sujets. Vous pouvez très bien prévoir que les initiateurs du référendum, ceux qui ont l'initiative,
peuvent réfléchir à la question du DM et proposer non seulement une question à poser au peuple avec un délai auquel ils ont réfléchi, ils savent que c'est une question qui est déjà bien connue, donc le délai peut être court, ou bien ils savent que c'est une question qui est longue et difficile, controversée, donc ils vont prévoir un délai long. Les initiateurs peuvent être, réfléchir, proposer un délai. Et puis la chambre du référendum, vous avez vu, qui est tirée au sort et qui s'occupe de l'organisation des débats, elle aussi peut peut-être avoir son avis en disant, en conseillant un délai ou en décidant d'un délai entre l'initiative et le référendum. Je voudrais juste dire un petit mot sur, justement, pour rebondir sur ce que disait monsieur. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens parmi vous ou des gens qui vivent dans des villes françaises où il y a un métro, mais il y a beaucoup de magazines gratuits qui sont distribués. Les gens partent bosser, on leur donne le gratuit. Donc en France, il y a ce problème de ne plus payer pour avoir accès à l'information. Et je vois souvent sur Facebook ou sur Twitter, par exemple, quand il y a un article de Mediapart où effectivement on voit que le début de l'article hein, et pas tout le reste, les gens disent « mais attendez, on ne peut pas lire, il faut payer ». Et qu'il va aussi falloir faire évoluer les mentalités, parce que pour avoir accès à de l'information de qualité, bah c'est comme pour les vêtements et pour tout le reste, ça veut dire qu'il faut y mettre un prix. Alors si c'est des fonctionnaires, on les a, absolument, c'est du service public. Donc peut-être qu'aussi, il faut aussi... réfléchir à des... On peut aussi avoir des publications privées. Je viens de parler de Mediapart à l'instant. Le patron de Mediapart dit toujours « Mais notre média appartient à ses lecteurs. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité, et puis vous avez envie de lire, et ben vous êtes abonné, et vous ne voulez pas, vous payez pas. Et interdire la publicité, ça c'est les annonceurs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, oui. Si on interdit la publicité, on se débarrasse d'une source terrible de corruption. Hein. Et en plus, ça désavantage personne, n'avantage personne. C'est-à-dire que plus aucune entreprise ne peut faire de la publicité. Il n'y a que nous pour pouvoir décider un truc pareil. Hein. Et imposer que disparaissent tous ces panneaux hideux partout. Qui nous prennent pour des imbéciles. Elles sont vexantes, les publicités. On a l'impression d'être pris pour des cons. C'est incroyable. On ne t'énerve pas, Étienne. Merci beaucoup. Allez, une dernière personne, Jean-Vincent de Toulon. Jean-Vincent, Toulon. Allez, on y est, c'est bon. Alors, au niveau des modérateurs qui ont le micro, on va t'apporter un micro. Super, merci. Bonsoir. J'ai deux questions, dont une peut-être qui est hors sujet. Concernant les journalistes, les médias, peut-être... Mais mon collègue avant a souligné mon idée. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro, j'entends ma voix, c'est atroce. Bon. Bienvenue au club. Vous avez dit que les médias étaient payés, donc source de corruption. Peut-être que l'idée, effectivement, ce serait de contrôler leur salaire et qu'il n'y en ait pas un qui soit payé 50 000 euros par mois pour lire un prompteur, etc. Même salaire pour tout le monde, du coup, ben, on ne peut plus les acheter. Et concernant la publicité, si on les enlève, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais au pire, si on les garde, ben, l'argent récolté pourrait servir pour les collectivités et servir le peuple. Pourquoi pas ? J'en viens à mon fameux hors-sujet, mais j'ai quand même envie de le dire. Concernant nos hommes politiques, comme vous l'avez dit dans votre préambule, ce sont des politiques qui vont dans des écoles pour faire de la politique. C'est un concept que je ne comprends pas très bien. Et personnellement, par exemple, je suis infirmier et j'aurais bien voulu que le ministre de la Santé soit un soignant, voté par les soignants. Le ministère de l'Agriculture... soit un agriculteur. Et ça marche pour tout le reste. Même le président, je crois que c'est le chef des armées. Pourquoi pas les généraux qui votent le président. Bon, après, le président n'aurait pas le même rôle peut-être qu'aujourd'hui. Enfin, voilà, c'était une idée. Je vous remercie. Merci.
Je vais passer le micro à Étienne. Je vais juste rebondir sur le premier point, sur les médias. Vous savez certainement que les journalistes les plus médiatisés, les plus médiatiques, c'est-à-dire ceux qu'on voit sur les plateaux télé, font ce qui s'appelle des ménages. Si vous ne savez pas ce que c'est les ménages, ce sont des animateurs, comme nos deux charmantes jeunes femmes sur scène, qui vont animer une convention bancaire, une convention d'assurance, une convention de... je sais pas quoi, sur un laboratoire pharmaceutique, etc. Il y a des tarifs pour ça, hein, parce qu'il y a des... oui, des barèmes, voilà, ça, il y a des... je cherche comment ça s'appelle. C'est comme pour les joueurs de foot, des agents. Voilà, chercher. Il y a des agents qui s'occupent d'eux. Donc, ils sont payés 3 000, 5 000, 10 000, 30 000 euros la soirée, ou 30 000 euros l'animation de 2 heures sur scène. Et que quelque part, il faudrait peut-être réfléchir à cadrer ou alors interdire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un problème de communication d'un côté et d'information de l'autre, parce que quand vous avez un journaliste et tous ceux que vous voyez sur les plateaux télé, parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer dans ma vie professionnelle précédente, ils sont quand même payés des fortunes pour après accueillir sur les plateaux télé ces mêmes personnes. Il y a un conflit d'intérêts évident. Voilà, c'est pas un conflit d'intérêts, c'est de la corruption simplement déportée dans le temps. Quand vous voyez les anciens premiers ministres ou présidents qui font des conférences, Clinton, il fait des conférences à 500 000 la soirée, 500 000 dollars la soirée, c'est de la corruption. Là, c'est un retour d'ascenseur. Il a servi les gens qui lui rendent l'argent après coup. Mais c'est de la corruption active. Ça, dans notre Constitution, on pourrait écrire que le simple fait que ça arrive, c'est un crime et il va en prison. Donc, il suffit de l'écrire, ça. Il faut écrire que le pantouflage et le trafic d'influence et les ménages sont des crimes, quoi. Il faut l'écrire. Oui, tout ce que disait Jean-Vincent tout à l'heure, il disait « Je suis infirmier, j'aurais aimé que mon ministre soit un soignant. » Ben, c'est à nous de l'instituer, ça. Voilà. C'est un sujet d'atelier constituant. Il faut écrire l'article. Donc, quand vous dites ça, c'est le début de l'atelier. C'est, vous allez du général au particulier. Vous commencez par l'idée générale. Et ça va bien en l'écrivant parce que ça fixe vos idées. Et puis ensuite, petit à petit, vous l'affinez, vous le formulez mieux comme une règle impérative qui va s'appliquer partout dans le pays. Et alors vous faites attention parce qu'en même temps que vous écrivez votre règle, vous essayez de vous dire, voyons, est-ce que ma règle n'est pas trop sévère? Est-ce qu'il n'y a pas des cas dans lesquels ça va être trop contraignant? Donc ben, vous allez affiner votre pensée. Mais l'atelier constituant, c'est précisément ça. Vraiment, c'est tout à fait remarquable cette façon de faire qu'on a ce soir. La première fois que je fais comme ça. Et je trouve que c'est bien. C'est-à-dire que chacun d'entre nous donne l'exemple d'une première idée qui lui vient à l'esprit. Et ce qu'on pourrait faire aussi, peut-être tout à l'heure, c'est qu'un autre parmi vous suggère une amélioration et qu'on note tous ensemble l'amélioration qui a été trouvée. Et puis un autre en trouve encore une et on se voit progresser. C'est-à-dire qu'on voit quelques neurones qui agissent et qui interagissent. Et le spectacle de cette progression constituante, dans un processus constituant populaire, ce spectacle, à mon avis, serait très pédagogique. C'est une façon de faire des effets constituants que je trouve tout à fait intéressant. Merci à ceux qui l'ont organisé. Merci à vous tous. On est là grâce à vous. Donc c'était juste une petite démonstration de ce que pourrait être un atelier constituant. En s'organisant et en poussant les tables et en se mettant par groupe, comme disait Étienne, ce qu'on ne peut pas faire ce soir. Donc c'était vraiment une démonstration pour que vous repartiez d'ici en sachant ce que ça représente, ce que ça veut dire de réfléchir à la Constitution et à l'amélioration de notre Constitution. On va vous proposer une petite coupure de 10 minutes pour permettre à chacun d'aller... Alors sachez qu'il y a les buvettes, il y a les sandwicheries, etc. dans l'enceinte du Zénith. Donc vous allez...